Il est plus de 2 heures du matin et je suis encore debout en train de regarder les canals d'or. Mais je ne regrette pas parce que impossible, je n'ai pas camerounais. On va parler de tout ce qui s'est passé, peut-être pas en détail, mais on va le faire. On parle l'image. Comment est-ce que tu as trouvé l'image? C'était flou. Il y avait des commentaires qui disaient qu'on a filmé ça avec qu'on dirait avec la calculatrice. Et d'autres commentaires sur Facebook qui disaient que c'est l'échographie. Tellement c'était flou. Il y avait plein de commentaires négatifs, quoi. Ouais, en fait, les négatif. Gens n'ont pas apprécié la qualité de l'image. Les gens n'ont pas. Parce les que gens... c'était pas clair et on pouvait pas voir. Les visages et tout. Des personnes, et c'est vrai. Donc, l'innovation a été qu'on a eu le live sur Facebook, on pouvait regarder sur Facebook, on pouvait regarder sur YouTube, mais au niveau de la qualité, c'était pas vraiment ça. Donc, les gens n'ont vraiment pas apprécié. Moi aussi, j'ai pas apprécié ça parce que sincèrement, on s'attendait à un peu plus de qualité à ce niveau-là. Également, au niveau des performances, des choix musicaux. Et une chose aussi qu'on va noter, c'est que la cérémonie a commencé vraiment en retard. Elle était censée débuter à 19h, mais à 22h, on avait encore des replis de publicité sur publicité. Et franchement, quand on lisait les commentaires, et les Camerounais, d'autres même ont dit que Eneo a coupé la lumière, il n'avait plus de batterie et tout. D'autres ont demandé même d'envoyer des têtes de mort. Bref, hormis ça... amorçons la phase importante. Hein? Ici, nous, on s'occupe d'abord et avant tout de cinéma. En ce qui concerne le cinéma, si vous vous rappelez, on avait fait une vidéo avant et on avait choisi 4 catégories où on avait déjà annoncé le choix des internautes. Jusqu'ici, on peut dire que le choix 4 sur 3, ça a été respecté. C'était 5. Non, on a fait 4 catégories. Okay. Et sur les 4 catégories, on a les internautes ont deviné 3. Juste et une seule n'était pas juste. Alors, qu'est-ce qu'on a deviné juste? On a deviné juste, par exemple, la meilleure série. Et là, c'est Fleu qui m'a aidé en écrivant. La meilleure série TV a été remportée par la série Madame, Monsieur de Venezia Kipombia. Et on avait également deviné meilleur humoriste qui a été remporté par Fingon Tralala. Et on avait également deviné la meilleure comédienne qui a été remportée par Amy Dani Basson. Ce qu'on n'avait pas deviné, en fait, nous, on avait calculé les commentaires des internautes et ces commentaires nous disaient que c'était Diana Bouli qui aurait dû remporter la catégorie meilleure web comédienne. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Diana Bouli qui a remporté, ce n'est pas moi, Minga, non plus qui a remporté, mais celle qui a remporté et qui était troisième du classement des internautes est plutôt Nike Tchoué. Dans la série Fingon Tralala. Voilà. Dans la série de Fingon Tralala, ça c'est vrai. Donc Fingon Tralala, il a fait son discours lorsqu'il a remporté son deuxième prix. Il a dit ceci, je cite. Il n'aimerait plus être nominé parce qu'il aimerait plutôt encadrer la jeune génération et leur permettre aussi à eux d'avoir la notoriété et la visibilité. Au comité, l'organisation, tant que vous aurez besoin de moi, je serai là. Mais je ne voudrais plus être nominé. S'il vous plaît, je reste le serviteur du canal du concept. Je veux apporter mon expérience à la nouvelle génération qui sont là. Je veux dire, je ne vais plus les gêner. Je vous aime, je vous embrasse. Celle qui également fait un discours émouvant s'appelle Mimi, l'artiste chanteuse Mimi. Elle a gagné dans la catégorie meilleur artiste féminin afro-urbain. Là maintenant, on va un peu récapituler parce qu'il se fait tard. On est déjà à Flo, on doit aller dormir. Donc là, on va faire wassa wassa. Donc, dans la catégorie révélation musicale, la personne qui gagne, c'est Happy Defulan. Dans la catégorie artiste ou groupe musique gospel, c'est Indira. Dans la catégorie, meilleur vidéogramme, c'est Coco Argenté. Dans la catégorie artiste Afrique francophone, c'est Fally Ipupa. Dans la catégorie artiste Afrique anglophone, c'est Yemi Alade. Dans la catégorie meilleure performance musicale, c'est Darina Vitry. Dans la catégorie meilleur comédien série TV, c'est Échou Rigobert. Dans la catégorie chanson populaire, c'est le Nyama.
de Aveiro Jazz dans la catégorie meilleur artiste féminin afro-urbain, comme on l'a dit, c'est Mimi. Dans la catégorie artiste masculin afro-urbain, c'est Ténor. Et on a également réservé, les canals dont ont également réservé un prix spécial pour Kang Kitus avec son, en fait, pour son film de Fisher Diaries, je ne me rappelle plus. Bref, le film qu'il a fait, qui a remporté plusieurs Oscars sur Netflix, The Fisher Diaries Man. Oui, je crois que c'est ça, The Fisher Diaries Man. Sur ce, maman, on doit aller dormir. Portez-vous bien. Et franchement, on le fait.